7h22 dans le journal de 7h30, Justine Sauvage, la visite de François Hollande au Bleu. Le chef de l'État va déjeuner avec l'équipe de France de foot à midi avant de visiter les installations à Clairefontaine. Le combat aussi des salariés de la CETA Carquefou. Ils retiennent depuis hier 5 membres de la direction. L'entreprise de cigarettes doit fermer à la fin de l'année. Et puis attention sur les routes pour ce début de pont de l'Ascension. Soyez prudents, il va y avoir beaucoup de contrôles. Et n'oubliez pas qu'on fait la route ensemble sur France Bleu Armorique. On voit maintenant comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web avec le buzz armorique. Et d'abord, ça y est, c'est fait. OVH s'installe à Rennes. Oui, on en a déjà parlé hein, de cette entreprise dans le buzz, le leader européen de l'hébergement Internet qui hésitait à s'installer à Rennes ou à Nantes avec 50 emplois à la clé. Eh bien, via les réseaux sociaux, la bataille pour le choix de la ville faisait rage depuis plusieurs mois. Et c'est aussi via les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, que le fondateur d'OVH annonce la nouvelle hier en écrivant « C'est officiel, on démarre à Rennes ». Un autre tweet précise « On est super content car il y a plein de bons profils à Rennes. Il n'en fallait pas plus pour que beaucoup se réjouissent sur Twitter. » Maxime écrit par exemple « Des Gamermat, bienvenue en Bretagne, sachant qu'a priori, eh bien OVH va aussi s'installer à Nantes. » La photo du jour, c'est celle d'un drôle d'engin made in Braze. Oui, une voiture du futur qui s'appelle EcoSolar Braze, un mélange entre un bateau, un avion et une voiture qui fonctionne à l'énergie solaire et qui peut aller jusqu'à 100 km/h. Il a fallu 4 ans, après d'une vingtaine de personnes, pour le fabriquer en Bretagne. Et cette semaine, l'EcoSolar Braze faisait ses premiers essais de route de l'année 2014. C'était à Versailles. Et sur la photo publiée sur Twitter, on voit donc cette voiture futuriste rouler seule sur une deux voies. On sera un peu surpris, je pense, le jour où on croisera vraiment ce genre de voiture sur la route. Et on reparle du défi breton qui a lieu le 14 juin prochain à Quimper. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Eric, Christine. Ça y est, les 10 binômes, vous savez, qui ont été sélectionnés pour ce jeu grandeur nature façon Pékin Express. Oui. Et vous n'avez pas été choisis. Les organisateurs accro des petites vidéos pour faire monter le buzz sur la toile n'ont pas résisté à se mettre en scène une fois de plus pour rendre leur verdict. Écoutez. Après 4 heures de délibération intense, le jury rend son verdict. Les binômes sélectionnés sont... Je crois qu'on a les 10. Ouais, il me semble pas mal. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc les 10 binômes vont parcourir la ville de Quimper à la recherche d'indices et d'énigmes pour tenter de gagner un voyage. Alors sur le site internet du jeu, on apprend qu'au total 80 personnes avaient candidaté, que le plus jeune avait 18 ans, le plus âgé 52, qu'il y en avait 26 nés à Quimper et que Delphine et Marc, les deux organisateurs, ont eu 1089 fous rires depuis le début de cette histoire. Il y a d'ailleurs un bêtisier des vidéos qu'ils ont fait pour la promo du jeu. C'est en ligne sur le site internet et je vais le mettre le lien sur le notre de site internet sur francebleu.fr. Merci Justine. Alors vous regrettez, vous ne soyez pas dans le binôme. Bah oui, mais ils peuvent peut-être plus. Faire une exception hein, si vous voulez. Bah je alors, peux le les voyage, contacter. C'est où le voyage? Ah, c'est pas dit. C'est, ah, c'est pas encore surprise, dit. Voilà. Ah, mais il faut être disponible le 14 juin. Parce que c'est juin. À Quimper. Parce que si le voyage c'est à Ergué-Gabéric, c'est pas la peine. Quoi. Non, parce que se repérer avec moi, je vous assure, Eric. Bonne moi, petite course d'orientation, je vous imagine bientôt. Ouais, moi, on me surnomme le GPS. Ah oui, mais moi, je me perds dans ma salle de bain, voyez. Donc, je pense qu'il nous faudrait plusieurs années pour arriver à nous en sortir. Non, c'est mieux comme ça. Confondez toujours. Je confonds toujours. Le lavabo et... et la baignoire. Et voilà. Je pensais pas à la baignoire. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir rejoints. Ne soyez pas désorientés par nos propos ce matin.